Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le 28 TV. Ce soir, les chartrains rencontrent d'autres chartrains. La Chartre, le résumé en images. En début de première mi-temps, les deux équipes se neutralisent. C'est la Chartre qui ouvrira le compteur sur pénalité. Les chartrains se laisseront une nouvelle fois pousser à la faute en concédant une nouvelle pénalité. Elle aussi sera transformée. À ce moment-là du match, l'entente chartraine affiche 6 points de retard. Il faudra une réaction d'orgueil des locaux pour voir inscrire le premier essai de la partie. Malheureusement, il ne sera pas transformé. Quelques minutes plus tard, l'entente chartraine se fera peur sur cette mêlée à l'introduction des visiteurs. Mais un bon retour empêchera la sentence d'être donnée. De retour dans la partie, Chartres inscrira un nouvel essai. Aplati entre les poteaux, la tâche sera facilitée pour la transformation de l'essai. Après un réveil de nos Chartrains en fin de première mi-temps, ils s'imposeront complètement en deuxième, multipliant les essais. Ils s'imposeront ce soir 34 à 9. On retrouve tout de suite Bérénice Hervé. Bonjour monsieur le préfet, vous êtes amateur de rugby, comment avez-vous trouvé les chartrains ce soir? Bah écoutez, moi j'ai trouvé qu'ils étaient très dynamiques, il y avait beaucoup de tonicité, le score est là pour montrer quand même qu'ils ont réussi puisqu'ils ont marqué 5 essais, l'adversaire n'en a pas marqué et c'était dans un bon jour. Pensez-vous que les chartrains ont les moyens d'accéder à la Fédérale 3? Écoutez, sur le match que j'ai vu aujourd'hui, moi je considère que cette ambition est tout à fait justifiée. Évidemment, il y a quelques petites erreurs, mais ça va se rectifier au fur et à mesure de la saison. L'entraîneur va tirer profit de tout ça, et puis moi je pense qu'ils sont sur la bonne pente. Merci d'avoir répondu à nos réponses. Bonjour. Une première période assez timide, un réveil en deuxième période? Oui, une première période très très disputée où effectivement ils sont venus, ils nous ont pris dans le combat et nous on a eu des difficultés à imposer notre jeu et aussi surtout avec l'arbitrage et la discipline. Donc où l'arbitre nous a pas été très très favorable en première mi-temps. Après en deuxième mi-temps, quand on a su vraiment mettre en place notre jeu, ça a été effectivement nettement mieux. On a pu prendre le score et se faire plaisir en fin de match. Voilà. Que manque-t-il aux Chartrains pour garder ce niveau de jeu? De la discipline, uniquement aujourd'hui, uniquement de la discipline. Voilà, et rester agressif et combatif, bon, dans les règles du rugby, mais rester agressif et combatif pour arriver à conserver nos ballons, et puis après, de la discipline et uniquement de la discipline. Est-ce que le public peut croire à la Fédérale 3? Bah, à l'heure actuelle, oui, on est dans les clous, on est toujours dans les quatre premiers qualifiés pour jouer les phases finales, donc pour l'instant on y est, hein, donc on y croit. Je crois qu'on a surtout un gros test la semaine prochaine face à Chinon, donc on verra comment ça va se passer à Chinon la semaine prochaine surtout. Merci pour ces réponses. Bah, merci à vous. Au revoir. Bonjour. Que s'est-il passé en deuxième période? Vos joueurs se sont complètement écroulés? Non, ils ne sont pas écroulés, on n'a pas joué comme il fallait, c'est-à-dire que nos points forts, nos temps forts n'ont pas été exploités, on n'a pas passé la ligne, on a fait des mauvais gestes au mauvais moment, des mauvais passes, ou des passes qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas faites. Donc en fait, des mauvaises décisions et ça fait qu'on n'a pas pu avancer. Pourtant, on a passé 20 minutes dans les 40 mètres adverses sans pouvoir passer la ligne et malheureusement, bah, quand on ne passe pas, quand on ne marque pas, eh ben, au bout d'un moment, on fait des fautes et voilà quoi, on se replace pas et on prend 3 essais en contre en deuxième mi-temps qui nous font mal. Donc forcément, le moral baisse un peu, mais je suis content des joueurs parce qu'ils ont continué à défendre, ils ont continué à vouloir jouer. Mais malheureusement, il nous manque encore un peu de travail, de conditions surtout pour pouvoir passer ce cap et aller franchir cette ligne qui pour l'instant est un mur pour nous où on n'arrive pas à passer. Voilà. Est-ce que l'écart va être un handicap pour la semaine prochaine pour vous?
Oui, c'est un handicap parce que c'est encore une équipe. Là, pour l'instant, on a rencontré des grosses équipes, que des grosses équipes. On a un gros souci d'effectif. Donc, effectivement, ça va être encore une équipe très dure à jouer. Maintenant, on a un statut de dernier et tout le monde va vouloir nous mettre des points. Et ben, à nous de répondre et puis de se remobiliser pour pouvoir contrer cette malédiction qu'on a pour l'instant. Malheureusement, oui, ça va être dimanche prochain, ça va être très dur. Mais bon, on va essayer de remobiliser tout le monde, les joueurs, pour pouvoir présenter une équipe et puis faire quelque chose de correct et puis, si possible, de gagner. On n'a pas le choix. Hein, on n'a plus de points. On est à un point seulement. Sur quatre matchs, un seul point. Je ne sais pas s'il y a un mot pour qualifier ce début de saison. C'est terrible. Merci beaucoup. De rien.